ويربي كثيرا المدافعين. نيمار pour ce match retour de super complicité avec Léo Messi d'entrée. Donc sans Iniesta à côté de l'Atlético à rester très groupé, très concentré et à défendre très bien contre cette équipe du Barça qui a donc un argument offensif supplémentaire avec la titularisation de Neymar, la récupération du ballon et puis aussi sa capacité à contrer. Elle l'avait bien fait à 2-3 reprises. Ce Barça qui doit donc retrouver de la performance dans les 30 derniers mètres. Et de la percussion, ça tombe bien, Neymar est là. Atlético ou Diego Costa également participe beaucoup. Regardez, là on le voit bien. Ouais. Il n'y a que Villa. Hein. 4-5-1 avec Villa ouais, qui reste devant. Diego Costa participe lui aussi. Anticipation de Piqué qui peut jouer avec Fabregas. Deuxième poteau, c'est pour Neymar. Ça ressemble un peu à ce qui avait amené son premier but la semaine dernière. Qui était un but 100% brésilien parce que c'était Dani Alves hein, qui avait mis ce ballon astucieusement dans le dos de la défense. Et Juan Fran. Le concours de Jordi Alba avec Neymar. Il a retrouvé Jordi Alba. Neymar. Oh. De finisseur. La passe de Neymar est très bonne. Tout comme le centre de Xavi. Au Barça, on y reviendra parce que le Barça est très offensif. Neymar qui tente une infiltration, ça ne passera pas. Diego Costa à terre. Bon, là, on a affaire à deux équipes aussi qui sont dans un seigneur qui convient remarquablement. L'Atlético adore défendre et laisser la possession à l'adversaire. En l'occurrence, le Barça qui adore, on a vu aussi que Philippe et Louis étaient souvent dans le coup. Et ce tacle-là, effectivement, a été jugé dangereux au ralenti. Il est un petit peu en retard, le ralenti. Parce que je ne crois pas que ce soit Costa. En ce moment, là, une position avancée d'Alexis Sanchez, en position plutôt axiale. Neymar a tenu debout. C'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et pourtant, on est un petit peu loin de la pelouse, là, ouais. Mais vous avez les bonnes ondes. Parce que les bons yeux. Premier corner. Juan Fran, ouais, qui reste très très attentif devant. Fabregas. Nous sommes à droite avec Alexis Sanchez qui tente le débordement. Ouais, il rate son dribble intérieur-extérieur. Neymar sur. Sur Philippe et Luis. Ouais, parce que Messi était parti tirer le corner avec Xavi, donc Neymar était passé de l'autre côté. Pour l'instant, un petit peu comme. Loin des yeux, loin du cœur. Ouais, ouais. Réussite de Neymar. Ouais, quadruple ballon d'or, c'est Messi, le patron. Je vous en raconterai un petit peu là en oh oui, un petit peu on après, aime vos histoires. Il ouais, y a des petites choses, on imagine. En tous les cas, Messi, c'est vraiment un poids énorme aujourd'hui au Barça. Mais, il y a quelques petites frictions autour de Messi. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que. Moi, je pense qu'il va se mettre, donc Neymar, au service de Messi. Talent. Et le talent de Neymar, même si là, il va rester planté sur son dribble, sur sa jambe d'appui pour éliminer Luis Felipe, le talent de Neymar peut se mettre encore plus fort pour Barcelone. Mascherano. Neymar en une touche pour Fabregas. La remise de la tête pour le Brésilien. Neymar, le sombrero. Neymar toujours. Il tombe, ça joue. Avantage donc à Fabregas. On dédouble à gauche avec Jordi Alba. Pareil, une opportunité. Diego Simeone, j'adore ce combat. Ah, ils se laissent tout le camp adverse pour contrer aussi. Hein. Ce qui est pas mal parce que ça va vite. Mais quelle intelligence chez Diego Costa et l'inspiration de Gabi hein, dans sa remise instantanée, plein axe pour Coquet. Encore l'an passé. Mais est-ce qu'il est physiquement à 100% lui pour le quatrième match de saison? Pas sûr. Il n'a que 30 ans. Hein. Attention, ça joue à 3. De lui que peut venir la lumière ce soir dans le jeu barcelonais. On n'a rien. Un malin plaisir à s'éviter sur la pelouse alors que tout le monde a envie de voir ce duo fonctionner. Que ça, la terre entière ce soir. Mais bon, si on a vu Neymar bien placé, il lit bien le jeu adverse. Ah, c'est bizarre. Une louche de Messi pour Neymar. On a failli assister à un échange entre les deux joueurs. Mais bon, c'est bon. Opposition à 11 contre 11 une fois par semaine. Et puis, voilà, perte de balle. Bon, ce qui arrive pas souvent hein, avec le Barça. Neymar, premier crochet. Neymar, deuxième crochet. Il glisse, je pense, avant. Même, ouais, il glisse avant. Je suis plus.
Oui, c'est-à-dire que quand le Barça perd le ballon, c'est la volonté de rester très haut, très près de la zone. Ah, c'est pas mal ressorti, avec même la si la remise de Diego Costa, c'est ballon perdu. Neymar qui accélère. Ah, là, il y a faute en revanche. Là, il y a faute de Gabi. Décidément, Gabi, dans tous les bons comme les mauvais coups ce soir. Ouais, ouais. Ça suffit pour faire faute. Et encore un coup de pied arrêté. Neymar, bienvenue. Le repas catalan qui n'est... Au score, en tous les cas, avoir du confort. Parce que 0-0, ça laisse avantage au Barça. Donc, Juan Fran et tous ses copains, il faut absolument avoir un esprit plus offensif. Oui. Eh bien, l'Atlético se dit, c'est le moment d'attaquer. Attention à Messi. Messi pour Neymar. Événement, Neymar dans la surface. Oh la virgule, et le centre de Neymar. Façon Alba. Nous sommes dans la surface avec... il tombe. Dommage, Neymar. C'était bien prolongé par Jordi Alba. Il s'est battu, le Brésilien. Neymar qui récupère. Neymar. Xavi. Quel tacle. Le Xavi qui maîtrise. Neymar, pas de hors-jeu. Fabregas, on le revoit. Xavi a mis un petit peu de temps là à faire son choix. Neymar est encore dans le coup et ce ballon n'est pas sorti en première mi-temps parce qu'on avait surtout empêché Messi de prendre de la vitesse. Mais Neymar, c'est collectivement ouais, que les Barcelonais. Iniesta pour Neymar, contré. Vous vous souvenez que le 2 avril dernier au Parc des Princes, il se blesse contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Oh oui. Oh, bel arrêt, c'est bien capté, ça, parce que sans erreur. Pas facile, ouais. Pas facile ce ballon qui rebondit devant lui avec beaucoup de joueurs à proximité. Donc 2 avril au Parc des Princes. Par souffrir un petit peu des genoux, ouais. Ben oui. Alors on se dit qu'Oscar qui en a joué 60. Neymar. Trop de monde là. Il s'est battu, et corner, exactement. Oui. C'est retouché. Oui. Christian Rodriguez, parce que nous on a le souvenir de son passage au Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'il est très vieux, bien entendu. C'est beau Valdés, c'est Valdés. Hein. Et Neymar, buteur au match aller. Aïe aïe aïe. Là, il a chuté tout seul. Ouais, mais il fait l'effort de revenir. Il fait l'effort et il glisse encore. Iniesta plus et Neymar, il est récompensé de ses efforts, Neymar. Ouais, c'est bien ouais. C'est bien vu ça sur sa droite pour Dani Alves. Une surprise et ce serait imposé ce soir. Valdés a été très très bon, a été décisif deux fois. L'Atlético a beaucoup de qualité, même si elle a perdu ses nerfs en fin de match. Elle a vraiment fait deux. Nadi Barcelona بدأت عام 83. بالفوز على بلباو في مجموع المباراتين 91 على حساب أتلتيكو مدريد 92 يدفع ثمن فوز برشلونة بالسوبر 2010 على حساب إشبيلية وفي 2011 première pour eux, il va falloir qu'ils se sentent, qu'ils se trouvent, qu'ils se respirent, qu'ils se connaissent un petit peu mieux pour pouvoir Jean-Luc dénumérer tout ça en club avec le FC Barcelone. Xavi a remplacé. Il avait autour de lui du Messi remarquable.